bienvenue dans ma nouvelle vidéo Pokémon Platine pour la suite de mon let's play. Désolé je tousse parce qu'il y a un peu trop de brouillard. Je ne vois pas, je ne vois rien du tout. Attendez, un petit débrouillé. Allez, tort. Ah voilà, c'est déjà mieux. Et salut tout le monde, c'est MacLeon85. Aujourd'hui, la suite de mon let's play Pokémon pour l'épisode 26. Et oui, déjà 26. Ça va vite. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la route 210, sur la route pour aller vers Celestia. Donc voilà, ton objectif du jour, finir cette route-là, finir tous les dresseurs de cette route-là, enfin le maximum en tous les cas. Et voilà. Donc c'est parti. Je vérifie, pardon pour la souris, je vérifie les Pokémon, Roselia, très bien. J'ai guéri, puis je suis revenu ici, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Pour visionnage de cette vidéo. Wouah! Oh, niveau 29, ça c'est bon pour XP, ça. Yes! Ah oui, je me souviens que j'XP ici. Est-ce qu'il y a des match hoppers? Wouah! Ça donne tellement. Allez, donne-moi ton XP, donne ton box, donne. Yes! Frappe Atlas. Voilà, donc là j'ai tourné avant deux épisodes. Enfin, les deux petits épisodes précédents. Voilà, puis j'ai fait un petit peu de retro simulateur aussi. Donc voilà, je me suis un petit peu défoulé, puis sorti de. Enfin voilà, non mais là je vous raconte ma vie, merde. Je vous en foutez un peu de ma vie. Non mais c'est une blague, c'est une blague. Alors ici je sais qu'il y a des drabis. Très intéressant, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Mais je sais pas si j'en prends en fait. Non, je sais pas. Je sais pas si j'en prends. On commence 20h15. On va se dire 20h40. Ouais, 20h40. Ils sont rouges, mais je m'en fous, putain, je suis descendu pour rien. Alors, Roselia, Bonita, ok. Alors sur cette route là, on commence déjà à voir le niveau qui commence à augmenter parce qu'il y a que des top dresseurs. Presque que des top dresseurs. Parce qu'il y a voilà qui sont des Pokémon plus âgés que la normale. Que sur cette route normalement qu'ils devraient avoir. La preuve. Je suis juste au bon niveau, je suis pile au bon niveau. Et encore je crois. Parce qu'après ils peuvent avoir plus HL. J'espère que non. Qu'est-ce qu'il faut écrire au pic lui? Et what the fuck? Non mais phare comme explique. Un cap humain avec aéropic. Ben, vous allez me dire normal. Non pas normal. Ouais pas bon. Allez, toi le tortera. Je suis un fou. Je balance mon meilleur Pokémon. Non mais quel gueule. Quelle résistance! Que 20 HP! J'aurais pas mis. C'est bon ça. Ça fait plaisir de voir qu'on a un Pokémon aussi fort. Et boum, je te hausse dans ta face alors qu'il y a qu'un niveau d'écart! D'ailleurs, pourquoi il a pas évolué ton Capumain? Hein, c'est méchant, il a pas fait évoluer! Capumain a évolué en Capidex au niveau de 30 normalement. Faut le faire évoluer ce Pokémon, c'est tout simplement magnifique. Il est trop bien son évolution. En fait, il évolue quand il apprend coup double. Parce que normalement, un Pokémon. Attendez, je reviens, à tout de suite.
Re tout le monde, désolé, en fait depuis tout à l'heure je parle dans le vide parce que je me rends compte que mon micro était désactivé. Le couple son de mon micro est activé, ceci est noté. Ouais, c'est pas bon, moi je l'ai remarqué, j'ai vu le petit point bleu s'allumer, j'étais deg. Donne ton XP. Tellement bon. Allez, Raichu. Et toi, voilà, on commence. Alors attendez 2 secondes. Je remonte en fait, c'est bon. Putain, par contre tous mes Pokémon meurent, ça c'est pas drôle. Karmash, c'est parfait, allez go. Mais vous avez vu ça? Il n'y a que des taux de ça. Je ne parle pas beaucoup. Hein. Voilà. En train de taper un message aussi. Quoi ? 2 SMS ! Tellement de la merde mon portable. Ouais, va se calmer lui. Hein. Donne-moi ton XP ! On continue, allez, on l'attend, voilà, au niveau 34, pourquoi il a mâchoui, moi j'ai pas. Bah non, j'étais sûr qu'il apprenait Luxray Machouille quand il est voulu. Je pense c'est pour ça. Je pense qu'il y a un problème, ouais, c'est pas grave. Allez, meurt. Donne-moi ton XP. T'as énorme. Oh bah on va rester avec lui. Ce sera parfait. Je tente ses is. Yes, j'avais peur qu'il avait du genre je suis enfin avec lévitation. Wow. C'est bien torté. Hop. Je vais aller soigner mon Pokémon et je vous retrouve après. Parce que voilà, là ça commence à devenir un petit peu chaud pour XP Pokémon, ça va être chaud. Je retourne à Beauville et je vous retrouve après. A tout de suite. Et re tout le monde après l'utilisation d'Antiprume, nous sommes repartis. Hop là, petite utilisation. Enfin, c'était plutôt merde boulot. Je me suis littéralement fait avoir. Sur ce coup là. Super bien joué de ma part. Papillon. Et comme par hasard, j'ai. Oh, ah non, Pita. Oh, en plus ça donne pas mal. Ici en fait vous voyez là ici ça donne tellement, ces dresseurs là ils donnent tellement. Cette zone là je la kiffe. Yes. Ninja I love you. C'est une blague. Non mais il me le refait le coup quoi. Oh le pauvre, j'ai pillé l'enfant. Ah non, en fait c'était la bonne route. Non, c'était pas la bonne route. Si, c'était la bonne. En fait, là vous voyez, j'aurais pu l'esquiver si j'aurais tourné au bon moment. D'accord, la blague. En fait, bon, bah au moins j'ai fait un combat pour quelque chose. Alors, type combat. Et Raptor, it's your turn.
couteau, je suis pas seulement là pour faire joli. Si tu veux, mais moi j'ai pas besoin de biscotto pour te battre. Oh, comment que je t'ai mis trop cher, quoi. Bon, je suis de juste bon, niveau 34. Alors, désolé, mais notre cher Fraps a recommencé. Re tout le monde. Après un petit problème technique. Atlas, ça fait pas mal. Enfin si, je suis un type normal à la base. Hein, pour ça que ça ne me fait un petit peu de dégâts. Pour ça que c'est pas marqué mais peu efficace. Parce que normalement, ça devrait être marqué pour un type vol. Mais moi, je suis de type normal. Donc c'est pour ça, voilà. Non, et mes muscles. Eh bien, on s'en fout complètement de tes muscles. Allez, on dégage. Alors, Pokéball, combat. Vas-y, Ponyta. This is your turn. Ah, attendez. Retour mon après avoir résolu mes petits problèmes. Je suis d'accord. Alors, continue le combat. Et finissons-en. Je souffre. Ah ouais, je souffre en fait quand même. Je souffre pas mal. Écrasement. Écrasement. J'espère que ça va suffire, ça suffit. J'anticipe, hein. C'est pour ça que vous m'entendez dire ça alors que je n'ai pas vu encore le truc finir. C'est pas un décalage, si je le sais. Hop là. Boule fumée. Yeah. Bon sang. Alors, bon ben mon Ponyta up. Hein. Tous niveau 34, c'est bon ça. Non. J'ai pas envie d'attirer des Pokémon moi. Non. Normalement ça reste en rose quand vous en trouvez un. Hein. Vous pouvez essayer. Hein. Je crois que c'est des Vortons que ça attire la plupart du temps. Ouais, encore Pokémon peu intéressant à mon goût. Ça c'est une larde des oiseaux. J'en ai marre. Comme par hasard, je mets mon Pokémon type plante. C'est une blague. Giga Sangu. Sangsu. Sangsu dessous. Pourquoi j'y critique moi, punaise. Pourquoi tu critiques Roselia là? Faut faire mais pas critique. Moi ça va hein. Et c'est parfait, c'est pas ce que je pensais. Je vais prendre cherche un petit poison de base aussi hein. D'accord. Je savais pas que choc mental c'était aussi peu puissant. Je crois que c'était beaucoup plus puissant justement. Ouais, bizarre. Yes. Ça a recommencé. Frappe, ça a recommencé. Aïe. Pardon, je fais le coco, je changer de Pokémon. Et on va take Luxray. Luxray. Lui par contre il donne bien lui. Donne ton XP. 100 XP c'est parfait, 100 PV plutôt. Il fait pas de bruit. C'est bien. Il fait pas de bruit. Allez, meurs. Maintenant, meurs. J'ai un problème avec le casque go, avec le...
j'ai un problème, attendez. Il m'a refait le coup. La blague. La blague, la blague. Ah, je suis deg. Alors lui, c'est un gars qui a un Pokémon de type combat. Et ton Raptor, à toi de jouer. Karmachu aussi va bientôt avoir son HP, c'est parfait ça. Ah non, j'ai rien dit. Oh, j'ai bien fait mes tours Raptor au final. Ouh, je suis trop fort. Essayez de bien connaître le maximum de Pokémon. Hein. Qui vous allez combattre comme ça? Oh man, j'ai fait close combat. Bon ben voilà, premier aperçu de close combat pour vous. Ou pas, peut-être que vous l'avez déjà utilisé, mais bon. Voilà, c'est ça que j'aime pas vrai. Défense et tenteur baisse et spécial aussi. Je peux dire voilà, on va voir si. Allez, vas-y, sors tes racines pour récupérer de la vie. Bon bah t'es mort maintenant. You are dead now. Yes. Ouais, j'étais pas sûr hein. Bonita. J'ai qu'un Pokémon avec sa faiblesse, bon ben voilà. Par contre j'ai des Pokémon auxquels il va. Auxquels je vais. Auxquels il va taper fort. Et c'est pas l'inverse. Pouah, ça sert à rien, juste à perdre des vies, vas-y fais-en par big yes. Comme ça, tu vas mourir plus rapidement. Voilà. Ça devrait suffire. Je l'ai vu. Juste boué là par contre j'ai sa faiblesse. En plus le X-Ray va up donc c'est parfait. J'en ai pas un aussi qui va bientôt up. Oula pardon désolé. Il y a eu une baisse FPS. Ça a fait un peu sauter le truc. C'est bon. Attendez j'ai fait un truc. Ok il y a que le X-Ray qui va bientôt up. Allez utensile mais ça sert à rien. Je suis électrique bolos. T'as qu'une seule envie, c'est de mourir, c'est ça? Eh ben meurs. Voilà, pour ça, je réponds à tes besoins. Tu seras super content. Allez, allez, on passe au prochain, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Allez, allez, allez. Et hop, 35, 2 niveau 35 et 4 niveau 34. Yes! Croix clair, c'est bon ça. Vive l'attaque, vive l'attaque. Je suis content. Théobald. Mmh. 2560 Pokédollars. 38. Encore 2 minutes. Ouais, non. Ah non, j'ai dit jusqu'à 50, c'est vrai. Encore 12 minutes de vidéo. Ah, ben on arrive à celui-ci plus vite que prévu, est-ce que je vois. Ben Wiki, allez, donne-moi toutes tes baies. Ben Kiwi. Et ça, c'est une Goave, non? Ouh, je suis trop fort. Goyave. Allez les coco coco coco. Bienvenue à Celestia. J'ai bien les Pokémon parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver. Une vieille dame comme celle de droite là. Oui, il fait nuit, donc c'est vrai que je pourrais aller combattre les policiers, mais j'ai la flemme. Qu'est-ce qui t'amène dans un endroit circulé? N'oublie pas d'aller voir les peintures tant que tu es là. Pourquoi c'est elle, la grand-mère à... Je crois que c'est elle. Hein. Ah non, c'est elle. Un étrange personnage se tient devant les ruines. Il n'y a rien ici, mais il a l'air en colère en tout cas. Il menace de faire exploser la ville avec une bombe. Franchement, quel culot. Si j'avais 20 ans de moins, je lui donnerais une leçon avec mes Pokémon. Eh ben c'est moi qui vais donner une 5 mes Pokémon ma vieille. Crodragon, pardon. Je bouffe mes mots. Alors, t'auras peur de plus besoin de XP. Ça a des types de type vol, poison. Ok donc voilà. L'ordre. Ok je lis XP. Alors, attendez, je regarde combien. 66, 975. Ok, eh ben Torterra, on va voir.
que si l'un observe petit, ce sera pas drôle pour moi. Allez, on lui parle. Alors, attendez, je fais un petite parenthèse. Quel gars. Le temps ne s'arrête jamais, le passé, le futur, le présent. Donc voilà, Dielga, le maître du temps, on va dire ça comme ça, et le mieux tourné des gravures. L'espace, dimension, ne perpétue l'expansion, nos âmes comme l'espace. Palkia, le maître de l'espace. Tu n'as rien d'intéressant ici, elle n'a aucune raison d'être. Je le fais avec une bombe galaxie. Si tu tombes de t'interposer, je t'écrase avec mon Pokémon. Attendez. Désolé. On vient tout le temps m'embêter et au final voilà ça. C'est chaud. Alors. Passons aux choses sérieuses. Dance flop. Ah ça m'énerve, ça sert à tout le temps cette attaque. Je vois pas pourquoi d'ailleurs. Non mais c'est une blague. Ils sont débiles. Le truc il va me tuer, non faut que je te balance un autre fois. C'est comme si voilà, il fallait que je gagne quoi. Merci. Je pense pas que je vais le tuer. Et après je le tue. Non, me tue pas. Non, je peux tenir. Comment gâcher d'expérience. Dans ce ça marche plus. C'est quoi ça? Roselia ou Torterra? Carmèche. Carmèche sera plus dur à monter, allez hop là, Carmèche go. Ah bah les mets faibles, c'est le cas de dire hein. Attends, je suis hop là des bras. Salut. Ah mince, c'est une avec deux, bah donc c'est un ouf ce mec. Oh, je suis deg. C'est trop pour moi, je ne peux rien faire ici. Cet endroit est insignifiant, je serai ravi d'en être débarrassé. Salut mémé. Oh, tu étais magnifique, tu s'inscris, c'est pas vrai. En tant que doyen de ce village, je te remercie. Oh, ce verrier, puis-je le voir, mon enfant? Ça parle, les popettes. Tu dis que Cynthia a demandé à ce que tu veux lire. Cette Cynthia, c'est ma petite fille. Papa. Ce grillis fut fabriqué dans la ville de Celestia il y a très longtemps. Il fut conscient de l'honneur d'une déité mythique et avait créé Sire. On retrouve parfois l'un de ces vieux grillis de temps à autre. Puisque tu es de Celestia, pourquoi ne pas visiter les ruines? Eh ben, visitons les petites ruines. De mystérieux symboles recouvrent tout un pan de mur, trois choses étranges sur ma triangle, on dirait une sphère brillante au centre. Qu'est-ce que cela signifie? Moi, je sais ce que ça veut dire.
Voilà ce que semble dire cette peinture. Exister des êtres aussi puissants qu'on considérait comme des déités. Trois Pokémon existaient comme contrebalance, comme pour contrebalancer leur pouvoir. Ces trois Pokémon formaient une sorte de triangle garant de l'équilibre. C'est une ancienne histoire de Sinnoh pour un grand encore assez extérieur. J'aimerais en savoir plus sur cette légende si vous voulez bien. Qui êtes-vous? J'appelle Eyo. Je cherche à mettre un terme au conflit aux Celestial Trinity. Aussi, je suis en quête du pouvoir nécessaire à la création d'un monde idéal. Je sors de vous des réponses. Si j'ai bien compris, le monde actuel ne peut changer à cause des trois Pokémon qui nous maintiennent en équilibre. C'est bien cela. Je n'en sais rien, j'en sais que le monde est en équilibre. Je suis sérieux du monde tel qu'il est. Votre question ne m'intéresse pas. Ainsi, vous allez feindre l'ignorance pour quelle attitude stérile. Vous n'avez même pas conscience de la perfection du monde. Moi, je vais changer tout ça. Je conserve à réduire cette peinture represse pour que vous protégez. Depuis tant d'années, elle doit laisser place à l'épopée d'un nouveau monde. Vous pensez que je me trompe? Alors défiez-moi. Nous nous sommes croisés. Pourquoi cherches-tu à protéger? Mince, j'ai pas guéri mes Pokémon. J'étais pas sûr qu'on combattait. Comme par hasard, si. C'est parti. Putain, comme par hasard. Yes, si, 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 c'est bon, c'est pas son pardon. Si, je vais souffrir. Bah, par contre, c'est vrai. C'est cheaté là. En plus, j'ai pipoulite. Oh, la plague, il m'a housse. Ténèbres, type combat. Oh, en plus un type glace. Ma seule attaque de type combat va être très utile. Pas pour rien que je l'ai monté. Hein. Que la puissance de tous les Raptors. Close combat. Alors là, c'est la puissance totale. Type ténèbres, type glace. Leur faiblesse, c'est le combat. Brrr, ça fait mal, ça les explose d'un seul coup. Par contre, je rentre tout de suite dans ce Pokéball. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais je pense qu'il a assez perdu en combat, en défense. Il a eu 3 fois une baisse de défense, hein, parce que voilà, il a eu beaucoup, et ensuite il a eu normal. Donc, ce qui fait au total 3 fois. Une baisse de défense, voilà. 3. Elle est pas mal la musique. C'est parti, nouvelle attaque! Gros clair! La puissance! Bon, coup critique, par contre, c'est ce que je pensais. Je croyais pas que j'allais hausse, mais c'est normal. Cornébre. Type ténèbres, changer de Pokémon. Type vol ténèbres. Karmage, it's your turn! Putain, mais l'autre, il surchitait l'autre. Avec son point de glace, il m'a hausse d'un seul coup. Je ne laisse pas le choix, je vais sortir mon Joker. Ouais, c'est bien son Joker. Oh non, mince. Oh, il a bugué. Je souffre. Ah oui, j'ai souffert. Putain, chien. En plus, j'ai bugué comme un coq. Ouais, je suis mort. De toute façon, c'est obligé, mais il est beaucoup plus intelligent que les autres. Hein. Il veut le tuer, c'est tout ce qu'il veut, il veut gagner. S'il peut gagner, il gagnera. Luxray, à toi de jouer. Mais c'est sérieux là. On voit quand même qu'il est intelligent. Putain, il est quand même puissant. Yes. Avec le bug de frappe, ce qui m'a fait peur. C'est bon, c'est gagné. Quoi, c'est tout? Oh l'arnaque. Oh l'arnaque, c'est le boss, il me donne rien du tout avec ses Pokémon. Remarquable. Cher doyen, votre comportement vient de vous trahir. Je sais à présent que personne ne peut arrêter les gardiens du temps. De l'espace, ils sont réunis. Quel homme étrange, il n'a que d'épilepsie. Le temps et l'espace de Sinnoh sont emplis des souvenirs et des pensées d'innombrables humains et Pokémon. C'est un monde merveilleux. Pourquoi chercher à le changer? Au fait, j'ai trouvé un objet fort utile. Oui, mais il n'en a plus utile. Et voilà la CS03 qui va me permettre d'aller à Jolie Berge. La CS. Attendez, on va dire. C'est un Pokémon. Apprends surf, voilà, surf. Enfin, je m'en souvenais, mais bon. Là, je vais de vous dévoiler tout de suite, quoi. Allez.
Bah ouais, il est l'heure, hein. c'est l'heure, malheureusement, l'heure c'est l'heure. Allez, ah mais Cynthia, je lui parle et on va se quitter ici. Tenez, si tu as vu ces gens bizarres armés d'une bombe galaxie. Quelle bande de fripouilles, et moi qui les croyais inoffensifs. Avec leur tenue extravagante et leur drôle d'histoire à propos d'un nouvel univers, je pensais que c'était des blagues et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, mais ils causent plus d'ennui que je ne m'y attendais. Essayer de s'emparer des Pokémon, c'est intolérable. Au fait, la visite d'Erwin t'a plu? Si ça t'intéresse, il y a une minute que je le libère, elle est pleine à craquer de vieux livres retraçant toute l'histoire de Sinnoh. Ça pourrait t'aider à compléter ton Pédex. Pars vers l'ouest à partir de visée en moins de. Et tu sauras. Je libère. Non, j'ai pas fait exprès. Voilà. Devant l'hôtel. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 27. 27 tout à fait 27 ou 28, je sais plus, je suis perdu, j'ai pas vérifié. Donc voilà, allez, salut tout le monde.